Commençons donc par cette thématique qui a été choisie pour cette 16e édition du festival. Connais-toi toi-même, pourquoi cette thématique? On connaît cette phrase célèbre attribuée à Socrate et qu'il a vue inscrite sur le fronton du temple de Delphes et qui est finalement la pierre de touche de toute la philosophie depuis, puisque tout commence par une connaissance de soi, que celle-ci d'ailleurs soit sur un plan individuel et personnel, ou bien sur un plan collectif. Et c'est ce qu'on appelle des cultures, c'est ce qu'on appelle la production d'intelligence collective. Très bien. Comment justement les enseignements soufis encouragent-ils cette exploration de soi-même? C'est vraiment leur but. D'ailleurs, il y a une sagesse, parfois considérée comme un hadith, qui dit « Celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur. » Et effectivement, c'est le but finalement de toute spiritualité. C'est de pouvoir dépasser nos identités fictives, illusoires, ce derrière les voiles, ce que nous appelons les voiles, qui sont finalement les conditionnements psychologiques et qui peuvent être les nôtres, pour atteindre à notre source la plus profonde et à notre identité spirituelle la plus profonde. Et en cela, nous nous accomplissons humainement et nous rentrons dans une forme de connaissance de soi qui est la connaissance de notre essence personnelle.